Bonjour, bonsoir tout le monde. Son plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Plaisir, son façon de parler pour que moi opine sur la situation au pays d'Haïti à vie journée aujourd'hui. Situation au pays d'Haïti extrêmement compliquée dans le moment et situation vient plus grave toujours. Nous prenons nous prend tremblement de terre, 14 août, nous prenons. Question la mort président de la République, Jovenel Moïse, qui perd la ville dans les conditions que nous connaissons. Eh bien, je dis, la situation vient empirer avec la question de déportation vague haïtienne que l'administration Joe Biden a lui-même décidé de voyer en Haïti. La déportation, ça a fait dans le contexte, madame, monsieur. En pile monde peut penser que l'administration Biden a pris gain pour voyer haïtien retourner dans le pays d'Haïti. Ok? Dans la mesure où nous connaissons qui campagne by Joe Biden qui fait par rapport à la question de migration, ok? Il te promet que tu as gagné aller mieux dans la question de migration, si bien que Haïti a commencé à entrer en masse, tu as profité d'entrer aux États-Unis d'Amérique, que ce soit Haïtien qui sortit du Brésil, que ce soit Haïtien qui sortit du Chili, etc. Eh bien, je dis là, Joe Biden lui surprend nous avec décision côté que yo voyé environ 145 haïtiens qui arrivaient en Haïti à l'aéroport Toussaint-Louverture. L'aéroport international Toussaint-Louverture recevoir gain OIM qui lui-même c'est Office international de la migration qui lui-même recevoir ça avec support gouvernement haïtien tout ça. Donc madame monsieur, et ça, pour nous remarquer que la question, ce n'est pas une question d'administration. C'est une décision qu'a prend, les bonnes questions des démocrates ni républicains, ok? C'est une décision qu'a prend eux-mêmes. Le gouvernement senti qu'il est dans une situation qui est extrêmement compliquée, il doit prendre une décision. Donc, il n'y a pas qu'on est qui savent faire. Donc, la bonne décision, il n'y a pas besoin qu'on ait à faire. Immigration, il n'y a pas besoin qu'on ait à faire pays, il n'y a pas besoin qu'on ait qui type de monde qui est dans la situation. Justement, parce que dans la situation pays d'Haïti, là, en plus, le monde pensait que l'administration Biden n'a pas eu le gain élevé pour le candidat haïtien qui a rentré aux États-Unis. Même si il y aurait que le candidat haïtien qui a rentré aux États-Unis dans ce moment-là, donc en plus, le monde, le gouvernement n'a pas préparé pour ça. Et même les gens qui ont même sorti, donc ce n'est pas un plan que vous avez gagné vraiment pour que vous avez quitté le pays côté de vous, par exemple, Brésil, Chili, etc. En plus, le monde qui est massé, Mexique, Tapton, opportunité ça pour que vous êtes rentré aux États-Unis. Donc, vous n'êtes pas dans une situation côté que vous avez un plan vraiment. Yo te rentré aux États-Unis. C'est pour raison ça tout nous wè gen quantité moun sa yo qui rentré aux États-Unis pour nye a qui yo même madame monsieur a vive situation ça là qui extrêmement compliqué Jean Capuel sous pont côté Rio Texas là. Donc est-ce que le gouvernement haïtien en mesure pour recevoir donc il pas en mesure ou bien li en mesure ça fait garder gouvernement haïtien parce que administration Biden nan li même li obligé pour une décision là si bien que nous tande gen haïtien qui poumé dans prison yo. OK si gen haïtien qui poumé dans prison yo, donc ça veut faire que le gouvernement besoin de décision qui est plus sévère par rapport à moun ka rentré yo. Donc ça ka fait que moun sa yo yo les droits l'autre moun qui yo même bien paisible t'a tande un moment opportun qui t'a tande gouvernement ou bien administration Biden nan une décision formée levée pour nous pour que nous immigrer dans le pays ça. Donc problème qui posé là donc c'est que situation pays a été côté que nous gagnons crise politique côté que nous gagnons crise socio-économique côté que nous gagnons insécurité ça qui va aller de rien dans le pays côté que nous gagnons situation chômage, côté que nous gagnons kidnapping, côté que nous gagnons tremblement de terre 14 août, côté que nous gagnons, madame, monsieur, réouverture des classes qui a raté là dans le moment de parler, en
pile l'école c'est pour 26, en pile l'école c'est pour Gaëtan Ouvri-Portio, en pile l'école c'est pour 4 octobre. Donc, est-ce que vraiment pays d'Haïti? Donc, parlons là que le gouvernement yo a déporté le monde, que ce soit aux États-Unis ou bien dans notre pays, que pays d'Haïti qu'on prête pour les. Rien pour recevoir mon yo, obligé de recevoir mon yo. Donc, pour le premier ministre de facto, Ariel Henry, lui-même, qui lamentait ce qui passé, qui lui-même sentit triste par rapport à ce qui passé à Haïtien dans Rio Texas, côté full Haïtien. Mais est-ce que qu'on plan vraiment, puisque c'est petite théâtre, c'est Haïtien qui est ambassade Mexique? Qui sa ambassade haïtien yo au Mexique, qui sa ambassade haïtien yo aux États-Unis capable faire dans cas ça. C'est là pour nous essayer autorité. Donc, c'est une situation qui vient mettre pays à une situation qui plus compliquée que j'en ai à, qui vient mettre pays à une situation que qui vient plus misérable. Mon ça arrivé là, est-ce que mon ça yo yo on bagaille qui va dans yo, est-ce que yo bon côté yo pral mettre moun sa yo, est-ce que yo bon côté yo va l'encadrer yo a pas de petit moyen que gouvernement ou bien OIM capable ba yo. Donc après ça moun sa yo va laguer pour compte yo alors que tu pas recevoir yo bon cadre yo. Donc moun qui gen moyen, c'est sûr que si yo capable y'a tourner dans pays côté côté et donc on pile moun qui vend fortune yo, qui pense à te gagner pour aller Chili, parce que dans Venezuela do a do a j'aime toujours dire pour yo c'est la gain la vie, pas gain la vie qui est l'autre côté encore. Peu importe côté il y a des pour ca manger ou après ou ca faire un petit bagage, donc penser que tout à l'aise, pas chercher entrer dans pays moun clandestinement et que ou calme tête dans un problème. Regardez quantité haïtien qui l'autre bord là dans Rio Texas là, est-ce que quantité haïtien ça yo c'est nous qui t'a mal vivre dans pays côté Odéa? Non. Si n'a calculé quantité l'argent haïtien ont dépensé pour que yo vivre côté Odéa, donc c'est pas monde qui vraiment dans. C'est sûr que yo pas fait tout l'argent en un seul coup pour y aller. Au fur et à mesure, au cours de routine, on dit que l'argent là, il y a des gens qui sont à tout l'argent, tout en, tout grand monde, ils vendent ça, ils ont gagné, que ce soit machine, ils vendent, que ce soit caille ou bien l'autre bagaille de valeur, ils ont gagné, ils vendent pour que y aller aux États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis, c'est un Eldorado. C'est sûr que moun sa retourne à zéro, ok? Yo retourne à zéro, même si yo t'avons minimum, yo pral recommencer tout ça, yo pou construire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, gen moun ki men, gen 10 ans, nan pays sa yo, Mexique, Chili, ou bien Brésil, République Dominicaine. Donc, moun sa yo, yo pral obligé retourner à zéro, yo recommencer vie yo, si toutefois yo just connaît. Donc si c'est fort, si yo pas capable en Haïti, ça va longtemps pour yo construire, pour que yo sembler, pour que yo capable retourner dans le pays. Parce que pays d'Haïti, que l'on veut ou non, madame, monsieur, pays d'Haïti pas capable d'accueillir quantité de monde. C'est triste. C'est triste. C'est là où bien, c'est Haïtien, c'est là où vous déportez, pas de choix. Mais États-Unis qu'on est, pays d'Haïti pas capable de voir mon pays d'Haïti pas capable de voir mon monde, malheureusement. Mais, en plus, le monde pensait que Joe Biden a bien compassion, Joe Biden a bien pitié pour Haïti. Non, non, non. C'est politique qu'a fait. Biden qui doit appeler mettre pays d'Haïti dans une situation qui est plus compliquée que j'en ai. Ok? Voulez mettre pays d'Haïti dans une situation qui est plus lamentable que j'en ai à. Pour que pays qui dit aux amis Haïti, pour que Nations Unies, pour que international là, yo même gagne plus force sur pays d'Haïti. Pour vouloir ou pas vouloir, il y a ça. Ok, c'est diplomatie qu'a fait, c'est immigration, c'est politique, tout mélangé, madame, monsieur. Donc, c'est une situation comme ça qui vient droit produit là. Donc, on suit
toute éventualité qui t'a gagné dans information ça yo, c'est triste pour haïtien frère nous sœurs nous qui passé misère dans pays ça yo. Donc malheureusement, nous espérer que bon souffle qui râler dans situation ça, nous espérer que pays qui dit ami Haïti yo, pays qui yo même cap défendre droit moun yo, donc pour que yo aller second moun sa yo, pour que yo capable qui ça ka fait là bien rapide dans la mesure où moun sa yo yo besoin yon aller mieux en urgence. Quantité moun qui planifie tout pour yo apprendre route ça pour aller masser, continuer masser que ce soit tapacho là Mexique bien à frontière Texas là. Il y a mon cap sorti Chili non, on va m'en parler. Il y a mon cap sorti Brésil non, on va m'en parler. Il y a mon qui dans route cap river do yo. Donc ça veut dire non blanc, il va augmenter madame monsieur. C'est triste. On fait nous plus intelligents haïtiens, on essaie analyser situation yo avant même de décider. Pas oublier madame monsieur pour abonner sur channel ça pour toute l'autre information que vous avez besoin. Parce que nous là pour servir, ok? Abonnez, activez la cloche là, partagez la vidéo, ça pour nous aider à Noël. Nous sommes en ville, nous sommes en Elm le janvier. Nous allons vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Pas oublier tout. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, link WhatsApp là qui est dans la description de la vidéo. Si vous avez besoin de changer la route, vous pouvez nous link dans la description de la vidéo. Cliquez sur le livre.